Mon âme est triste à en mourir. Matthieu chapitre 26, verset 38. Ici, dans ce jardin sacré, témoin du tourment de Jésus et de sa grande souffrance, les frères mineurs, avec l'aide de nombreux volontaires locaux et étrangers, ont commencé à récolter les fruits de ces oliviers bienheureux en cette saison spéciale pour la Terre Sainte. Raccogliamo le olive come ogni anno. Un'azione è un'opportunità che ogni anno si ripete. Un'opportunità. Nous recueillons les olives comme chaque année. C'est une très belle occasion tous les ans de vivre cette rencontre avec les gens dans la vie quotidienne, au milieu des voix des enfants. Comme chaque année, nous rencontrons des gens de différents pays. Plus de 50 personnes sont venues pour cette récolte. Da diverse nazioni e più di 50 persone hanno aderito a questa raccolta. L'olivier en Terre Sainte est un grand symbole de la paix qui manque depuis des siècles sur cette terre. Il symbolise également l'histoire de cette terre étroitement liée à la naissance et à la résurrection de Jésus-Christ. Quest'anno abbiamo voluto lanciare la... Cette année, nous avons voulu lancer la récolte des olives avec une image, l'image de l'icône. Habituellement, lorsque nous prions devant une icône, nous entrons en elle. En réalité, le sens profond de l'icône est le mystère qui nous parvient. C'est un renversement. Cueillir des olives, c'est se laisser atteindre par le mystère. Certains des oliviers de ce jardin sacré pourraient être les descendants de ceux de l'époque de Jésus-Christ. Des volontaires locaux et étrangers perçoivent l'état spirituel de ce lieu et acceptent d'en récolter les fruits avec passion et intérêt. C'est une expérience particulière de ramasser les olives ici dans le jardin de Gethsémani, dans ce lieu saint et spécial. C'est une expérience spirituelle. It's really a spiritual experience.